Comment créer des liens d'affiliation avec Amazon? Ici, c'est Sébastien qui est votre coach en affiliation, en tout cas pour cette vidéo. Alors, la première chose à faire pour créer des liens d'affiliation avec Amazon, c'est d'avoir tout simplement un compte Amazon. C'est assez logique. Alors, ça peut être un compte particulier ou un compte pro. Ça marche pour tous les deux. Alors, moi, j'ai déjà fait quelque chose avec mon compte particulier. Alors, je vais vous montrer la procédure avec un compte business, mais c'est exactement la même chose. Donc, la seule chose que vous devez faire, c'est être bien connecté, avoir donc déjà un compte, d'être connecté sur Amazon.fr. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir aller à une autre adresse qui s'appelle partenaire avec un S.amazon.fr. Vous allez sur cette adresse-là, et c'est sur cette adresse-là que vous allez devoir créer un nouveau compte. Donc moi j'en ai déjà un en privé, donc je vais le faire dans un compte business. Donc vous cliquez sur se connecter. Après il va vous dire ouais si vous êtes déjà connecté ou pas. Utiliser un compte différent. Alors c'est pas tout à fait ça que je voulais. Je croyais qu'il y a un lien pour créer un compte directement. Ah si c'est ça. Donc en fait vous devez d'abord déjà avoir votre compte. Donc là je suis connecté sur à mon compte privé. Vous pouvez changer de compte si vous voulez, contre pro ou autre. Donc là, j'ai pas mis d'autres comptes, mais c'est pas grave. Là, vous pouvez changer compte particulier, pro selon les cas. Et donc, c'est déjà enregistré. Il faudra juste mettre votre mot de passe. Hop, comme ça. Donc, vous vous connectez, mais ça va détecter comme quoi vous n'avez pas de compte créé sur partenaire pour Amazon. Il détecte juste autre. Donc. Pour faire ça, il faut en fait s'inscrire en bas. Allez, inscrire. Voilà. Une fois que vous cliquez sur s'inscrire, vous avez information sur le compte. Important, veuillez ces instructions. Donc normalement, il a déjà votre adresse et tout parce que pour qu'il puisse vous payer vos commissions ou autres. Vu que vous avez déjà un compte en dehors sur Amazon de base, donc vous sélectionnez le bénéficiaire donné ci-dessous. Quelqu'un d'autre, si vous voulez, quelqu'un d'autre, vous choisissez la case pour des besoins dans la province fiscale américaine. Êtes-vous citoyen américain? Donc là, si vous n'êtes pas américain, vous faites non. Tac, vous faites suivant. Alors je vais le revoir avec vous parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Ah, effectivement, vous devez mettre votre adresse, ta 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 ta, avec. Avec votre région, province, parce que ça c'est pour les Américains. Hein. Forcément, chez nous en France, on n'a pas vraiment besoin de mettre les régions. Donc France, tac, vous mettez votre TFA. Voilà. Et après, vous faites suivant. Alors, plus 33 pour la France. Numéro de téléphone, vous faites suivant. Hop. Donc, comme d'hab, il corrige certains trucs. Franchement, là, c'est un peu agaçant. Alors, je crois qu'il faut mettre le département, l'État, la province, la région. Je vais mettre le département. Alors, moi qui viens avec le grand S, machin. Ouais, la nouveau pas mis. Et franchement, là, on va y aller. Voilà, alors c'est vachement embêtant. Important, veuillez lire ces instructions avant de remplir ce formulaire. Faites une liste de tous les sites web ou applications mobiles les plus populaires sur lesquels vous avez l'intention d'afficher des bannières, des vidéos, des liens sociaux ou d'autres publicités partenaires. Vous devez ajouter au moins un site web, une application mobile. Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 sites web ou applications mobiles. Bon, alors bien sûr, là, vous pouvez mettre votre blog WordPress, votre chaîne YouTube, etc. Entrez le ou les yeux de votre site ou de votre application mobile. Donc là, c'est pareil avec les applications mobiles. Donc pour moi, on va mettre ma chaîne YouTube. Donc là, je vais refaire. Je demandais. Ok, alors, je vais mettre ma chaîne YouTube. Hop, c'est ce qu'il demande. Alors, on va YouTube, tac.
Voilà. Et donc, je vais prendre cette adresse, tac. Je vais la mettre là, vous mettez toutes vos adresses. Hein. Bon, moi, j'ai juste mettre la chaîne YouTube, sur le moment, on va pas chercher plus loin. On va faire suivant. Tac. Une fois, choisissez votre ID partenaire. Donc, moi, ouais, je vais juste mettre dedans. Voilà. Votre liste d'applications mobiles. À quoi servent vos sites internet ou applications? À quoi sert votre... Sélectionnez le sujet principal. Vous mettez sujet principal. Tac, tac, tac. Ouais, il y a pas mal de questions. C'est assez le bordel. À quoi servent vos sites internet ou applications mobiles? Ben, former, tout simplement. Hop. Que peuvent faire les utilisateurs sur votre site internet ou application mobile? À qui s'adresse-t-il ou à quel autre type de produit avez-vous l'intention de mettre en avant? Former. Donc, on va former à gagner de l'argent et à se développer. On va mettre, allez, à se finir. Allez, hop là. Ensuite, on va mettre. Donc, après, vous choisissez ce qui correspond le mieux. Lequel des sujets suivants a décrit le mieux votre site internet? Appliquez à vos idées. Affaires de scie, aliments gourmets, associations. Voilà, donc vous lisez tout et vous mettez ce que ça correspond. Et au pire des cas, vous mettez autre. Maison d'animaux, musique, médical, ordinateur, logiciel, e-tech, photographe, producteur, auteur, artiste, médiation, religion, réseaux sociaux, networking, sport, vente de marchandises, voyage, tourisme, vêtements. Voilà, moi, je vais mettre plutôt autre. Sujet secondaire, bah, si j'ai mis autre dès le départ, on va laisser autre. Quel type d'article Amazon avez-vous l'intention de mettre en avant sur les sites internet ou applications mobiles? Donc là, on va mettre, c'est plutôt des. Ça peut être de l'e-check, des livres. Ça, il y a peu de chance. Peinture, santé, BT, maison, jardin, vêtements. Bien sûr, vous adaptez selon votre truc. Quelle catégorie? Tac. Blog, comparateur de prix. Quelle catégorie décrit le mieux votre site internet ou application mobile? Blog, comparateur de prix, site de contenu, niche, site de marque, distributeur, site à but non lucratif, portail, autre. Quelle catégorie décrit le mieux vos sites internet? Bon, on va dire site de contenu, niche, plutôt comparateur de prix, non, pas du tout. Dit site de marque, distributeur, auteur, artiste, site à but, voilà, portail, annuaire, web. Et puis on va mettre autre. Hein. Après, on mettra quelle méthode utiliser pour vous générer du trafic sur vos sites. Alors là, vous mettez les sponsors sur les moteurs de recherche. On va mettre SEM, SEO, blog. On peut mettre coût par lead, autres. Email, bien sûr. Portail, offline, réseaux sociaux, forum. Alors vous mettez, vous adaptez selon votre cas et on va mettre autre. Voilà. Comment utilisez-vous les sites internet et applications pour générer des revenus? Ah, ils demandent pas mal de choses aujourd'hui, hein. Comment utilisez-vous vos sites internet et applications pour générer des revenus? Autres plateformes d'affiliation, Affinet, publicité textuelle, WRAC, eBay, Partner, et toi. Autres programmes d'affiliation, Publicity, Display Banner, Vigate, Portal Equest, service d'abonnement. Le cas Partner est mon unique moyen de monétiser. Alors là, je vais mettre. Non, c'est pas mon unique moyen, mais là, c'est la chaîne YouTube, j'ai mis uniquement. Autre plateforme d'affiliation, eBay Partner. Autre programme d'affiliation. On peut mettre ça. Programme Display Banner, Viguet, Portail, service d'abonnement. Alors, on va mettre ça. Autre service d'application. Et je vais mettre. Alors, c'est toujours à adapter selon votre cas. Donc, eBay Partner. Donc, si vous avez d'autres trucs d'affiliation, vous le mettez. Si c'est des displays, des bannières, vous mettez des bannières. Hein, sur. Si c'est un WordPress avec des trucs, Viguet, portail e-commerce, service d'abonnement, le service partenaire est mon unique moyen et on va mettre service d'abonnement. Comment bâtissez-vous des liens? Alors là, vous mettez éditeur HTML, éditeur de blog, blogueur, WordPress, Tipad, éditeur de texte, système de gestion de contenu. Voilà. Combien de visiteurs uniques se rendent sur votre serveur et application mobile chaque mois? Alors là, vous devez mettre. Il n'y en a pas beaucoup actuellement. Hein. Quelle est la raison principale qui vous pousse à avancer auprès, à ton avis? Modifiez mon site internet autre. Hein, comment avez-vous entendu parler de nous? Vous mettez, tac, blog post, bouche à oreille, recherche sur internet, sur le site d'Amazon. Allez, moi je vais mettre recherche internet. Bien sûr, vous adaptez selon les questions. Vous remplissez tout hein, les questions qui veulent dire.
Après, vous mettez le captcha, FFFP 82C. Alors, bien sûr, c'est des trucs qui est pas. Qui est un peu. Qu'on n'aime pas trop faire, mais bon, il faut le faire. Ensuite, voilà, ça vous donne une idée d'identification. Donc, moi, ce sera Richadan 21-21. Il met toujours 21. Chez moi, j'avais aussi 21 pour mon compte privé. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, félicitations, Sébastien Kennel. Merci pour votre candidature au programme partenaire d'Amazon.fr. Une fois que vous aurez cumulé 3 ventes donnant droit, notre équipe passera en revue les sites ou comptes sociaux associés à votre application afin de vous assurer que vous respectez les conditions générales d'adhésion du programme partenaire d'Amazon EU. Donc, il y aura des conditions à partir que vous avez 3 ventes. Donc, bon, c'est nouveau. Je ne sais plus. Moi, j'ai un vieux compte depuis longtemps. En tout cas, voilà, inscrivez-vous au programme partenaire. Hein. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire à l'affiliation donc espagnol, allemand, britannique, italien, apparemment. Remarque importante, chacun des partenaires est géré sur sa propre plateforme. Vous devez donc gérer vos différents comptes, chacune, d'accord. Entrez vos informations personnelles fiscales. Donc, vous pouvez faire là, rentrer vos informations fiscales, notamment si vous voulez recevoir par virement bancaire, etc. Donc, vous le faites maintenant ou plus tard. Donc, on peut mettre maintenant juste pour regarder un œil. Hop. Alors, il faut que je remette le mot de passe. Hop. Alors, processus de vérification en 2 étapes. Alors, je le ferai plus tard. Message texte, livraison vocale. Vous recevez un appel. Envoi du code. Ah, bah, je suis obligé de le faire tout de suite. On dirait alors. Ok, envoi du code. Hop. Donc, on est obligé d'avoir un téléphone aussi. On va attendre qu'il me le donne. Et vous mettez votre code une fois que vous l'avez reçu par votre téléphone. Et vous continuez. Alors bien sûr, ce n'est pas un compte du tout que je vais utiliser, hein. C'est juste pour vous montrer. Après, payez-moi par virement bancaire, payez-moi par chèque cadeau Amazon. Donc on a le choix. Par virement bancaire ou chèque, moi je vais mettre par chèque, sélectionner une banque. Alors, la banque, vous mettez France. Vous allez mettre voilà la devise, le titulaire, le nom de la banque, l'IBAN, l'IBAN, le BIC et le confirmer votre IBAN, etc. Bon, ok, BIC. Une fois que vous avez tout fait ça, vous allez donc directement votre truc insérer. Créer. Utilisez cette méthode de paiement pour les tout comptes bancaires. Donc là, vous pouvez cocher pour que ce soit tous les comptes. Donc maintenant, moi, j'aimerais retourner en arrière vu que je ne vais pas faire ce point-là. Vous avez compris le truc. Et donc, une fois que vous avez ça qui apparaît, qui vous donne pas mal d'indices. Bonjour, bienvenue au nouveau club Amazon. Guide de démarrage complémentaire. Là, il vous dit. Les clics, les commandes et les revenus par mois, ça s'affiche là de côté. Vous avez un résumé. Gains et clics au cours des 30 jours. Donc, ça vous montre les statistiques des jours. Là, on a une nouvelle barre de navigation. Cliquez sur le menu du roulant pour en savoir plus. OK. Changer de pays, là, on peut changer de pays. Votre compte est tracking ID. D'accord. Donc, là, effectivement, vous avez votre adresse email et vous avez l'ID partenaire qui est affiché ici. Donc pour changer, tac, France, on peut changer les pays, même américains, etc. On peut faire des comptes, Chine, etc. Apparemment, il n'y a pas que européen. Donc, lien produit, comme il disait, tiens, là, il y a l'anarchie. Donc là, il y a créateur de liens. Il y a un meilleur moyen que créer des liens ici, lien rapide. Moi, je ne fais pas comme ça. Donc, c'est ce qu'on va encore voir dans cette vidéo. Comment on fait donc vraiment, du coup, les liens. Alors, pour faire un lien, il va falloir que vous entrez un produit. Donc là, vous voyez les rapports. Donc, total d'articles livrés, total de gains, nombre d'articles commandés, clics, le nombre de clics et les conversions, c'est-à-dire quand vous avez des ventes, votre taux de conversion. Et là, il vous le montre sur les 30 derniers jours ce qui se passe. Vous pouvez afficher un rapport complet en cliquant dessus, en cliquant dessus. Donc, on va juste voir ça encore aussi vite fait. Voilà, si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir un rapport complet, total, gains, primes, etc. Donc voilà. Donc si on revient sur le truc pour vraiment répondre à la fameuse question, alors vous choisissez ici le mot-clé. Alors ça peut être un peu n'importe quoi. Je sais pas, ça peut être par exemple maintenant vu que c'est la mode en ce moment, ça peut être une PlayStation 5. Hein. Allez hop, pour faire la mode, je sais pas si on trouve des trucs. Donc voilà, vous allez obtenir des liens PlayStation machin bidule là.
PlayStation 4, machin, moi je mets un peu n'importe quoi. Ça peut être des livres, hein. On va prendre un livre, hein. Ce serait peut-être plus intéressant parce que enfin même quoi que les livres, c'est pas non plus vraiment une solution. Alors qu'est-ce qu'on a comme excellent livre non au script? Ah, c'est sûrement un des meilleurs livres que j'ai lu. Pour votre développement personnel, c'est sûrement un des meilleurs livres. Non au script, alors il faut savoir, non au script, c'est un livre qui est écrit au passage par MJ DeMarco, l'auteur qui a fait L'Autoroute du millionnaire. C'est son deuxième livre en fait. Et je peux vous dire qu'il est largement meilleur que le premier. Donc finalement, pour avoir ce fameux lien d'affiliation, si maintenant vous voulez un lien d'affiliation non au script, il faut savoir, vous avez deux trucs. Vous avez obtenir le lien, mais vous avez aussi une case ici à côté, créer un éditeur, le texte lien. Donc si vous cliquez dessus, vous avez le lien en toute longueur. Donc ça, c'est votre lien d'affiliation. Et vous remarquez que dans tout ce lien, vous avez quelque part votre fameux tag ID. Vous voyez, Richadan 21, ce qui m'ont généré. Et ben c'est ça en fait cette idée qui vous permet de reconnaître que c'est vous en fait qui avez ramené le fameux client. Vous pouvez l'abréger et je vous conseille vivement de le faire, de faire les liens abrégés. Si vous cliquez dessus, comme je viens de le faire. Ces liens abrégés sont beaucoup plus faciles si vous voulez que les gens retapent l'adresse sur le téléphone, parce que sur un ordinateur ça dérange pas trop, mais sur le téléphone c'est très long. Si on devait marquer une adresse comme on l'a ici complète, c'est beaucoup trop long. Donc les liens abrégés, c'est très pratique, qui font une redirection. Maintenant, c'est pas les seuls moyens que vous avez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire que du texte. Donc sur une chaîne YouTube, comme chez moi, bon, ça cause pas de problème. Vous mettez le lien en dessous, vous pouvez pas faire grand chose d'autre. Sur votre blog, c'est différent. Vous pouvez en fait faire des images. Alors pour faire ça, vous cliquez sur obtenir le lien et vous avez en fait différents choix. Donc chaque fois, on vous voit le pré-visualisation ici. Ici, c'est on voit bien le titre avec l'image du livre, Amazon et tout. Donc vous recopiez en fait le code complet. Donc le code HTML, c'est ce code HTML que vous allez insérer dans votre blog, que ce soit WordPress ou autre. Vous allez mettre ce code-là pour faire apparaître ça. Vous pouvez dans l'histoire changer la couleur, hein, si vous voulez pas du bleu, tac, vous pouvez mettre, je sais pas, hop, en rose. Vous pouvez, pour que ça corresponde mieux à votre thème de votre site, vous pouvez mettre là pareil, changer la couleur. Donc vous pouvez changer la couleur du prix et du titre. Alors moi, le prix, moi je vous conseille de mettre plutôt du vert. Hein, c'est assez classique. Généralement, le vert, ça plaît mieux. C'est souvent. Ça dit juste. Hein. Ça vous dit juste dans la tête. Un peu comme le rouge, ça vous dit fou. Hein, évitez le rouge. Et vous mettez selon votre thème. Hein, le violet, pourquoi pas, si votre thème est bien violet. Hein, si vous voulez montrer le côté épique. C'est assez de trucs américains en ce moment. Épique. Moi, j'irais même à l'avance. J'irais plutôt mettre un côté or. Et pour dire le fameux plutôt légendaire, alors là je vais pas arriver peut-être à mettre la couleur or, mais disons si vous faites un truc plutôt or pour faire légendaire plutôt qu'épique, vous avez peut-être un train d'avance. En tout cas, la mode actuellement c'est plus trop les sites en bleu, mais plus le sens épique. Donc on commence à faire du violet plutôt que du bleu. Après, c'est à voir. Donc voilà, après vous avez texte uniquement. Donc là, si vous voulez mettre du texte uniquement, ce qui donnera ce résultat-là. Si vous avez image uniquement, ça donne ce résultat. Et sinon, vous pouvez ajouter au widget, à un widget, vous pouvez ajouter, faire vos trucs si vous voulez un widget. Donc créer un nouveau widget, mes favoris, tac, vous le faites. Hein, donc ça, c'est des genres de pop-up. Hein. Donc c'est ces quatre choix qui sont proposés pour faire des liens. Et chaque fois, vous avez des liens en bas. Hein. Dans le cadré en bas, donc en HTML, en lien court. Donc là, vous avez bien le choix. Pour quand c'est texte uniquement, il vous propose les différents trucs qui peuvent s'adapter. Donc HTML, c'est pour le blog. Lien plutôt, genre quand vous donnez sous votre chaîne YouTube, préférez les liens courts quand même, hein, parce que si le gars c'est le téléphone et qu'il doit l'écrire, c'est le nom. Et même pas possible d'écrire des liens aussi longs. Donc ça dépend s'il y a une génération de liens qui vous fait un lien automatiquement ou il a juste à cliquer ou pas. Mais bon, en tous les cas, ça reste quand même plus propre un lien court qu'un lien en longueur. Dans code HTML, bien sûr, ça joue pas du tout. Je dirais même c'est mieux de mettre un lien long. Pourquoi? Parce que ça évite la redirection. Donc voilà ce qu'il y avait à dire après sur comment créer un lien sur Amazon en 2021.
Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour que ça aide d'autres personnes. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez connaître les nouvelles vidéos d'astuces sur la thématique, hein, surtout sur l'affiliation. Ça peut être des trucs sur le développement personnel que j'ai tendance à parler, voire de l'e-commerce. En général, je parle surtout de ce genre de choses. C'est possible que je parle un peu d'immobilier parce que j'aime bien aussi l'immobilier. Et de toute manière, si vous vous intéressez à gagner de l'argent, vous allez automatiquement vous intéresser aussi à un moment ou à un autre à l'immobilier parce que de toute manière, j'ai jamais vu quelqu'un de riche qui ne fait pas d'immobilier. Soit ils sont spécialisés dedans, soit ils le font à côté. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Mais dans tous les cas, vous le faites automatiquement. C'est une question de sécurité. Donc voilà, comme dit, ouais, partagez, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Sébastien Kenner.